Bienvenue à tous et à toutes sur Évangile Hit Music, votre émission de musique, notre rendez-vous du samedi soir. Comme vous commencez à vous habituer à l'émission, vous savez que nous avons toujours des invités de qualité. Mais celui que je reçois aujourd'hui sur le plateau n'est pas seulement un invité. C'est un frère, c'est un ami, c'est vraiment plus qu'un invité. On va le découvrir dans quelques minutes. Mais avant ça, je ne sais pas si on peut écouter juste un titre. Yeah. It's your boy Wright. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque... Waouh. Il a donné son fils unique afin que quiconque... Sous-entendant ainsi que la véritable identité de ceux qu'on appelle quiconque est unique. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom au début de l'extrait. Il a dit « boy, je ne sais pas quelque chose ». Et directement, il est parti dans la Bible. C'est sa particularité. C'est que c'est un amoureux de la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez ces textes, vous n'entendez pas seulement des punchlines, mais vous entendez des punchlines qui viennent directement de Dieu. Elles ne viennent pas de lui, mais elles sont inspirées par la parole de Dieu. Il est originaire de Côte d'Ivoire, mais lorsque vous l'entendez manier la langue française, vous avez l'impression que c'est lui qui a contribué à l'écriture de certains mots. Et j'aimerais vraiment que cet artiste-là, on puisse l'accueillir sous vos acclamations. Be right, mon frangin. Yes. Sois le bienvenu sur le plateau d'Evangélique. Merci, Fanda. C'est top. T'as vu, j'ai tout donné dans la présentation. Je vais prendre ma revanche. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir pardon, sur ce plateau. Yes, pareillement. Et vraiment, dès qu'on a pensé au concept de l'émission, je me suis dit, il doit y être. Wow. Absolument, il doit y être. J'ai décidé qu'elle trouve la foi en moi. Et j'aspire à ce que ça soit ton partage aussi. Are you ready? Bah déjà, comment tu te sens sur ce plateau? Écoute, très content de te revoir, très content de me retrouver chez moi. Je me sens comme chez moi, je suis presque un fils de la maison. Et puis très très content de faire cette émission en particulier avec toi. Est-ce que je me venge maintenant ou après? Non, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Mais Pasteur Gentil est quelqu'un de particulier pour moi. Il a été une réponse à travers laquelle le Seigneur m'a fait comprendre que je pouvais le servir de cette manière-là. Mais je vous en dirai plus à la fin de l'émission. On va en dire plus. Bah justement, en fait, la première question, c'était pourquoi déjà Be Right? Qui est Be Right? Comment tout ça a commencé? Waouh. Il faut savoir que Be Right, je ne l'ai pas choisi quand j'étais né de nouveau, après ma nouvelle naissance. Quand j'étais petit, j'étais très fan de... Il faut que j'arrive à faire court. J'étais très fan de tout ce qui est Whitney Houston, Craig David et tout ça. J'écoutais pas du tout de rap. Et puis un jour, en rentrant chez moi du collège, j'ai entendu un gimmick, je vais pas le faire ici, mais c'était le gimmick de The Real Slim Shady, d'Eminem. Je me suis dit, mais c'est qui ce type? Et puis j'ai cherché à connaître et j'ai beaucoup aimé l'artiste, sa manière d'écrire, sa manière de composer. Et une année après, je crois, je suis venu en France pour faire sport-études basket. Et il y a eu le film 8 Miles qui est sorti, je crois que c'était en 2003 à peu près. Et dans 8 Miles, forcément, fan d'Eminem, je regarde 8 Miles. Et Eminem dans 8 Miles s'appelle B-Rabbit. Donc du coup, pas de soucis jusque-là. Sauf que dans le collège où je m'inscris à l'école, j'ai un ami qui s'appelle Yacine qui voulait faire une sorte de battle de concurrence contre un autre groupe de rap qui avait à l'école. Et donc ce groupe de rap à l'école se composait d'un rappeur américain qui venait des États-Unis mais qui faisait ses études en France. Et puis il y avait un frère, un gars de la France. Il me dit « Viens, on va les concurrencer et tout machin ». Je dis « Ok, si tu veux ». Il me dit « Ouais, je sais que toi t'aimes bien rapper en anglais, alors moi… » Donc c'est lui qui parle. Hein. Il me dit « Moi, Yacine, je veux m'appeler Fear du 9-1 ». La peur du 9-1. Il me dit, et toi? Direct. J'ai dit, frère, moi je dis, bled, hein. Je suis pas venu faire peur à quelqu'un ici. Je suis venu pour m'en sortir. Et je cherchais un pseudo, un truc qui correspondait un peu à mon personnage. Et tout de suite, je pense à Eminem, forcément, que c'est ma référence. Je pense au film, et dans le film, il s'appelle B-Rabbit. Et je me dis, il faut que je trouve un truc comme ça, mais qui correspond un peu. Et comme j'étais pas le type qui faisait un peu n'importe quoi, du moins j'essayais à l'époque d'être réglo avec la famille et tout, j'ai décidé de rajouter Right à côté de B-Rabbit. Et donc j'ai choisi B-Right, l'homme droit. Sauf que j'ai découvert que Right, ça veut aussi dire juste. On ne peut pas être justifié sans passer par Christ.
Donc à l'époque, j'étais pas né de nouveau, mais j'avais déjà annoncé sur ma vie qu'un jour, j'allais être juste. Vous entendez les gens? Là, il est qu'au début de l'histoire, il est déjà parti dans la parole. C'est vraiment... C'est, son esprit est plein de la parole, son âme, c'est, il respire la parole et ça sort tout seul. Vas-y, continue ton histoire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi Be Right. Et puis après, j'écrivais des textes en anglais la plupart du temps. Je m'inspirais beaucoup d'Eminem parce que j'avais traversé une histoire à peu près similaire, mais de très loin, parce que lui, il a vraiment vécu des choses compliquées. Et moi, c'était plutôt l'aspect, je venais d'arriver en France, c'était pas facile. J'avais des choix à faire entre couler dans la mouvance de la jeunesse, vendre du shit et tout ça, ou être le gars sérieux. Mais quand t'es le gars sérieux, bah, tu as un peu le... T'es marginalisé, tu vois. Et donc, je vivais un peu ces choses-là, mais il y avait aussi un aspect, c'était l'aspect manque de moyens financiers. J'étais pas pauvre, c'était pas ça. C'est juste que c'était difficile parfois même d'avoir à manger, c'était pas simple. Pourtant, j'avais tout autour de moi, j'avais une famille qui m'aimait, j'étais hébergé chez mon grand frère. Et c'était pas simple parce qu'il y avait beaucoup de charges. Donc, très tôt, on a dû se débrouiller. Et donc, j'écrivais toutes ces choses-là en anglais. Donc, je pouvais être en train d'expliquer des choses profondes en anglais qui venaient du plus profond de mon cœur. Et t'avais les gars du quartier à Épinay-sous-Sénart, là où j'étais. « Oh, c'est trop fort, c'est trop fort !» Je pouvais être en train de dire un truc qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, c'était juste parce que c'était de l'anglais. D'accord. Et juste ça, c'était trop fort. C'était impressionnant pour eux voilà. De voir... Voilà, mais moi, je pouvais être en train de dire... J'ai souffert de tel traumatisme. « Oh, c'est trop fort !»« Ouah, lourd Et puis, il y a eu un moment très exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai retrouvé un disque dur de l'époque. J'ai retrouvé ce titre-là, qui s'appelle « Plein d'humilité ». Je ne savais pas c'était quoi l'humilité à l'époque. Mais je trouvais que ça sonnait bien, en fait, le mot « humilité » dans la résonance. Et c'est un titre que j'avais écrit parce qu'à un moment donné, j'avais eu un... Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais je me rappelle de la pensée que j'avais. J'avais des pensées suicidaires. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et j'ai décidé d'écrire en français. Et ce jour-là, j'ai écrit ce titre, « Plein d'humilité ». Et quand je l'ai écrit, je me suis rendu compte que j'arrivais à retranscrire en français ce que je disais en anglais, et que c'était pas si mal que ça au final. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai découvert, sans m'en rendre compte parce que j'étais pas né de nouveau, et que j'avais sûrement cette grâce-là au niveau de l'écriture. Voilà. Et puis effectivement, après, comme tu le dis, il y a une réelle grâce que tu as par rapport à l'écriture, parce que le maniement des mots, comme je le disais dans mon introduction, est simple pour toi, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un comme moi, j'écris aussi des textes, mais mes textes sont portés sur autre chose, tu vois. C'est-à-dire que dès que ça va devenir introspectif, je vais beaucoup prendre le temps de réfléchir sur les mots exacts que je dois choisir pour traduire telle ou telle émotion, tu vois. Mais toi, on a l'impression que c'est... En fait, dès que tu penses à quelque chose, tu arrives à trouver tout de suite les mots pour exprimer ce que tu penses. Est-ce que je me dis ? C'est... Bon, je dirais que c'est presque ça. Il y a juste une nuance, c'est que c'est pas forcément ce à quoi je vais penser, je vais trouver. C'est plus... Je l'ai remarqué, hein. Après, je suis toujours en train d'apprendre, mais... je pense que c'est beaucoup plus facile quand tu racontes ce que tu es. Et même quand j'étais dans le monde, je ne disais pas aux gens des messages clichés, casser des voitures, soyez des racailles et tout. Je leur disais plutôt non, au contraire, chercher à construire des véhicules, ça rapporte plus. C'est ça mon message, tu vois. Au lieu de casser, construisez, ça rapporte plus, c'est mieux, tu vois. Et c'est vrai que il y a eu des moments où j'étais aussi un peu marginalisé parce que je refusais de fonctionner selon les codes. Je ne rappais pas ce que tout le monde rappait. Je faisais ce qu'on appelait du rap conscient. Mais ce n'était pas que j'essayais d'être conscient. Je racontais mes peines en terminant en disant « Je sais qu'un jour, je m'en sortirai. Je ne sais pas comment. Dieu est quelque part, il m'aidera. » Mais je n'étais pas chrétien. J'avais juste des notions comme ça. Dieu est quelque part, il m'aidera, je m'en sortirai. Et quand tu retranscris ce que tu es, forcément, il y a un poids derrière. Tu vois. Et c'est ce que c'est même... Dans mon quartier, là où j'étais en tout cas, et dans la plupart des quartiers que j'ai côtoyés à cette époque-là, on disait qu'on voulait des gens qui rappaient leur vie, des vrais, quoi, pas des gens qui racontent des trucs qui ne vivent pas. Pas fake. Ouais. Pas des fakes. Et moi, j'étais pas fake, mais dans mon genre. C'est-à-dire que, au lieu de dire que je faisais des exploits en faisant des bêtises, je disais que je faisais pas de bêtises. J'étais un gars qui cherchait à s'en sortir. Mais est-ce que ça marchait, justement? Ça dépend ce qu'on appelle marcher. Si c'est au sens. Percer, faire du buzz et tout. Non, mais c'était pas que ça, parce qu'il y a aussi un... J'étais plus passionné que quelqu'un qui voulait exceller.
Écrire pour moi, c'était plus une manière de vider plein de choses. Ouais. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai fait 7 albums gratuits en 2 ans. 7 albums gratuits en 2 ans. Je les ai tous retrouvés là il n'y a pas longtemps. Wow. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, mais il faut qu'on retranscrive ça là en Christ, ouais. Parce que là, y a tellement de matière. Mais le Seigneur me mettait à cœur que tu ne peux pas penser que tu as eu plus de crédibilité avant que maintenant avec moi. Wow. Je suis la créativité. La créativité, c'est ça que je voulais dire. Yes. Et Y a beaucoup de similitudes entre ton histoire et la mienne. En fait, pendant que je t'entends parler, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. On va venir sur ce point après. Mais déjà, je voulais parler d'un truc sans venir sur l'histoire directement. Okay. Quand je t'ai découvert, sans aller dans les détails, j'ai écouté et il y a quand même de la différence entre ce que tu fais maintenant. Ouais. Parce que c'était un morceau sur une prod, je ne me souviens plus très bien de la prod, et tu rappais super vite. Et j'avoue que j'avais été impressionné ce jour-là, parce qu'on va parler de notre rencontre tout à l'heure. Mais moi, quand je suis parti écouter, c'était vraiment, je me disais, OK, on va écouter ce qu'il fait. Et je me suis dit, mais il respire pendant qu'il est en train de faire ça. Or, aujourd'hui, tu m'as expliqué pourquoi tu le fais, mais tu prends le temps de poser les mots. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce changement de style, même les prods que tu choisis? On dirait qu'il y a une différence quand même entre ce que tu faisais avant. C'est un vrai défi, un vrai challenge, un vrai exercice auquel je n'étais pas habitué. Ouais. Parce que à cette époque-là, j'allais vraiment là où mon cœur partait. Je pouvais écouter une instru jazz, une instru crunk à l'époque, je ne sais même pas si ça existe toujours. Et j'y allais, tu vois. Maintenant, dans le Seigneur, c'est différent. Ce n'est pas que je ne veux pas faire ça ou que je ne sais plus le faire. Des fois, j'ai envie. Ouais. Des fois, même à la maison, je taquine ma femme et je fais des petits jeux de mots rapides. C'est que maintenant, l'objectif est différent. Mon premier objectif aujourd'hui, après ça, c'est mon école. J'en fais pas une loi. Mm-hmm. Mais moi, aujourd'hui, mon premier objectif, c'est de pouvoir retranscrire très exactement la chose telle que je l'entends dans ma tête. Amen. Tu vois. Et pour moi, c'est ça le succès. Pour moi, le succès, c'est quand une chose devient ce que Dieu dit qu'elle doit être. Mmh. C'est pas quand ça explose, quand ça perce et tout. Si Dieu a dit qu'il fallait que ça explose et que ça perce, gloire à Dieu, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais pour moi, il faut absolument que j'arrive à retranscrire la chose comme Dieu me l'a montré. C'est à partir du moment où Dieu valide que le succès commence, en fait, qu'il y a réellement le succès, si je comprends bien. Je dirais que c'est plus s'il m'a dit, je te dis n'importe quoi, écris un A de cette manière, et que j'ai réussi à l'écrire de la manière dont il me l'a montré, pour moi, là, il y a le succès. Les acclamations, les applaudissements, ce sont les conséquences du succès. Ce n'est pas ça le signe du succès. Parce que tu peux avoir du succès et pas avoir les acclamations. Jésus était le succès de Dieu. La Bible dit qu'il avait la plénitude de Dieu. Mais il y avait des gens qui n'étaient quand même pas d'accord avec lui. Bien sûr. Donc, il ne faut pas forcément se fier aux acclamations, même si c'est très agréable. Mais aujourd'hui, l'objectif est différent. Je vais entendre une chose, pas un texte. Beaucoup croient que j'entends les textes et j'écris. C'est pas du tout ça, pas du tout. Je vais avoir une idée qui est inspirée. Et quand je vais me mettre à écrire dessus, ça va être comme un livre que tu feuillettes et tu découvres en fait au fur et à mesure. Et pour l'instant, j'ai pas entendu dans mon cœur un type. Moi, j'appelais ça flow du millénaire. À l'époque, il y avait deux flows. Il y avait Be Right. Ouais. Et puis il y avait flow du millénaire. Flow du millénaire, c'était le côté freestyle, tout ça, machin. Pour l'instant, flow du millénaire, il est calme. Il est calme. Voilà, c'est plutôt flow du millénium maintenant. Vous voyez, même pendant qu'il parle, il est en train de faire des jeux de mots. Est-ce que du coup, bon, maintenant on va arriver, on va y arriver. Forcément, on ne pouvait pas y échapper. Beaucoup de gens t'ont découvert plutôt sur le morceau « Dieu est le boss ». Yes. Tu vois, mais il faut savoir que moi, je ne t'ai pas découvert à ce moment-là. Tu vas pouvoir nous expliquer comment ça s'est passé sans, s'il te plaît, trop en faire. Je t'en supplie. Vous allez comprendre pourquoi je dis sans trop en faire. Parce que quand tu vas commencer à parler, vous aurez l'impression que vraiment, il est en train de parler de... Mais moi, au moment où je t'ai découvert, déjà, tu faisais pas de la musique chrétienne, mais tu étais vraiment... Tu t'es inscrit à l'IBEM, l'IBEM qui était un institut biblique créé par Enseigne-moi. Et à ce moment-là, les textes que toi, tu m'as montrés, je ne sais pas si tu faisais de la musique chrétienne, parce qu'il ne faut pas que j'affirme des choses, parce que je ne savais pas, mais les textes que moi, j'ai découverts de toi, c'était vraiment ces textes dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et ensuite, il y a eu un morceau qui s'appelle, je pense, Unité, Victoire, je ne sais plus. Vraiment, c'était organisé par Psychose. C'est une compile, ouais, ouais. Voilà, c'est une compile. Et on s'était retrouvés sur le même morceau. Tu vois, et là, c'est un morceau qui dure au moins 5 minutes. Et tous les rappeurs chrétiens qu'il y avait à l'époque avaient posé sur ce morceau. J'avais écouté ton couplet. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça ne m'avait pas spécialement marqué. Je me suis dit, comparé à ce que j'ai entendu avant, je sais qu'il peut faire plus. Et ensuite, il y a eu le morceau Dieu et le boss, là où tout le monde, bah, la plupart t'ont découvert, surtout la plupart, parce qu'actuellement, je pense que les gens te découvrent plus par ce que tu fais actuellement. Et Dieu et le boss, à la fin, on voit ce gars qui arrive, plein d'humilité. C'est-à-dire que pendant que voilà, ça frappait fort avant, c'est-à-dire que tu arrives, et quand on te voit à l'image, c'est comme si... Non, mais les autres ont déjà fait. Franchement, moi, ce que je vais faire, c'est pas grand-chose et tout. Et bam, tout de suite, ça cartonne et ça explose. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans tout ça? Comment ça a commencé, le fait que tu te dises, il faut que je fasse ça pour Dieu? Ouais, amen. Sans trop faire ça. Donc, je vais sélectionner volontairement deux moments. Le moment où j'ai su que je devais faire ça, ou du moins que je pouvais faire ça, et le moment où il y a eu Dieu et le boss. Comment tout a commencé? Je suis né de nouveau. Et quand on est de nouveau comme chacun d'entre nous, on a juste envie de connaître Dieu, on veut le découvrir. Partout où on parle de Dieu, on le cherche, on veut être là-bas. Et puis, je crois que c'était sur enseignemoi.com ou je ne sais plus où, j'avais vu qu'il y avait une conférence IBEM, justement, de l'école biblique. Et donc, j'y vais un samedi après-midi après le boulot. Je prends mon train, j'y vais, c'était à Paris. Et puis, je m'installe. Et puis donc là, il y a, je crois que c'était le pasteur Mouketou. Pasteur Yvan Mouketou. C'était pas pasteur Yvan, c'était pasteur Tina plutôt. Tina, oui, c'est ça, pasteur Tina qui parlait. Et puis par la suite, à la fin de la présentation, il y a eu un concert des Porteurs du Réveil, je me rappelle très bien. Donc là, ça commence, ça chante et tout. Donc je me dis, waouh, c'est cool, comme d'habitude, je suis dans mon petit nuage, je suis dans le Seigneur, ça se passe bien, c'est presque comme à la télé, c'est magnifique. Et là, tout d'un coup, brusquement, soudainement, il y a un frère qui arrive sur la scène et qui commence à rapper au nom du Seigneur. Et quand je le vois, je me lève et je me dis, c'est ça en fait que je dois faire. Parce que, comme tu sais, je rappais déjà dans le monde. Et quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais tout arrêté. Mais je savais quand même qu'il y avait un truc au niveau du rap. Yes. Je savais que c'était particulier quand je le faisais dans le monde. Et je me suis dit, mais comment lier ça? Je ne savais pas encore que tout don venait de Dieu. Je ne savais pas ça. Et quand je t'ai vu faire ça, c'était des choses que je voyais déjà dans ma tête, mais que je n'osais pas déclarer. Et là, je l'ai vu, en fait. Tu vois, c'était un peu... Il va rigoler, mais c'est vraiment ça. C'était un peu comme quand Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand je t'ai vu, j'ai vu en fait ce que je voyais dans ma tête et pour moi, ça a été une confirmation. Alors à la fin du concert, tu te souviens, j'étais dans les coulisses avec toi comme un petit garçon. Je te regardais les excuse-moi de te couper, mais ce qu'il dit n'est pas exagéré. Là, c'est vrai que quand il s'est rapproché de moi, moi-même, je me demandais, mais est-ce qu'on a vécu le même événement? Parce que toi, tu ne savais pas, mais dans les coulisses, il y avait plein de craqués et tout, de couacs et tout, même sur scène. Donc moi, quand je suis monté, j'ai fait mon texte et en sortant, je me suis dit, bon, c'était nul. Donc quand il était à côté de moi, je me disais, mais pourquoi il exagère en fait? Pourquoi il en fait détonner? C'est vrai que... J'étais vraiment cet enfant qui avait vu un grand frère en train d'opérer à... Il avait vu ce qu'il voyait dans sa tête, mais qu'il n'osait pas exprimer, en fait. C'était comme si j'étais seul contre tous. J'avais ça dans mon cœur. Je voyais ça nulle part, mais je sentais que la chose était de Dieu. Et quand je t'ai vu faire, ça a été une confirmation pour moi. Ce jour-là, il y avait Aubin Prince Camer, que je salue au passage. Donc, salut à toi, Aubin, qui m'a raccompagné dans le train, qui a pris le temps de parler avec moi. Donc, c'est vraiment Pasteur Gentil, donc Tijan King et Aubin qui m'ont vraiment vu commencer. C'est vrai. Et donc, à la suite de ça... J'ai fait mon petit bout de chemin de mon côté. Mais pour venir à Dieu et le boss, donc j'avais rencontré Spencer, donc avec CNV Music, que je salue aussi au passage. Spencer, c'est un ancien. D'ailleurs. Et donc Spencer m'a pris sous son aile. Donc j'étais artiste à CNV Music. Et la particularité, c'est que à ce moment-là, il y a, je crois que c'était La Fouine qui sort un titre, Panambos. Panambos, effectivement. Et donc il y a plusieurs remixes qui se font, etc. Et il y a le grand frère Laskinson, qu'on salue aussi au passage,
qui dit non, c'est pas normal, c'est Dieu qui est le boss, comment ça? J'avais beaucoup aimé ce zèle-là. Et il me dit, ok, on va essayer de réunir un certain nombre de rappeurs sur ce titre. Et puis, il m'avait entendu sur le même titre, Unité. Donc, il en parle à Spencer. Et Spencer m'en parle. Et donc, on s'appelle. Donc, moi, comme un petit garçon, hein, pareil, là, c'est Last Kingston. Là, j'ai eu Tijon King, Aubin Prince Kammer, Last Kingston. Mais alors là, c'est la totale. Il y avait Dre Booney, il y avait tous ces grands frères-là. Et du coup, il me propose de faire le titre. À l'instant, il l'a raccroché. À l'instant, j'avais déjà les quatre premières mesures dans ma tête. Wow. J'étais tellement en feu. Tu sais, ce zèle du début. Il n'y avait pas de prod. Il n'y avait pas de prod. Je savais que ça allait être le truc de Panam Boss, mais j'avais déjà les paroles. Quand il a commencé à m'en parler, ça c'était déjà venu dans mon cœur. Et pour la petite histoire, pour terminer, c'est que j'ai pas fait exprès d'être à la fin du titre. Mm-hmm. On n'a pas du tout fait exprès. Je crois que c'est moi qui suis arrivé en retard le jour de l'enregistrement du studio. Ouais. Et Kinson est venu me chercher, ou l'inverse, je sais plus. Ouais, il est venu me chercher. Et quand on est arrivé au studio, les frères étaient en train de poser. Il y a un truc qui s'est passé que j'aimerais souligner, c'est que première question qu'il a posée à tout le monde quand on est arrivé, c'est « Est-ce que vous avez prié ?» Frère, on dit « Non, on n'a pas prié. » Et il a dit « On stoppe tout là, on prie. » Et j'avais beaucoup aimé ça. Je me suis dit « Mais c'est juste fou de voir des frères comme ça, qui sont en mode, entre guillemets, street. C'est des jeunes comme toi et moi, mais qui sont carrés dans le Seigneur, tu vois. » Et donc, du coup, le titre l'enregistrement a continué et je suis passé à la fin. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la fin, tout simplement. Et quand on regarde le titre, j'ai comme l'impression aujourd'hui, avec du recul, j'en suis même convaincu, c'était vraiment la volonté du Seigneur que je sois positionné à la fin. Le Seigneur qui a voulu ça comme ça. Amen. Bah, effectivement, comme il a dit, pour terminer, c'est souvent frustrant ce moment-là, parce que pendant que je fais des interviews, il y a plein de questions qui viennent, mais tu sais que tu ne peux pas toutes les poser parce qu'on a un temps bien défini. Mais vraiment, en fait, il y a même un autre artiste avec qui j'avais discuté, qui est un ami à toi, qui m'a dit qu'il était sur le texte. Il m'avait expliqué un peu l'histoire. À la base, il était censé être sur le morceau, mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Il n'a pas pu poser sur ce morceau-là. Mais vraiment, ça a été un morceau très édifiant. Moi, quand j'ai écouté le couplet, je me suis dit « Waouh !» Retranscrire la parole de Dieu comme il a fait avec des punchlines. Il dit la venue de Jésus-Christ sur la terre, la plus lourde des punchlines de Dieu. Je me dis non, mais c'est pas possible. Tous ceux qui n'ont pas écouté ce morceau, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, allez écouter le morceau. Dieu est le boss, remix de Panam Boss, et vous allez voir Be Right en dernier sur le couplet. Yes. Je vous assure, c'est une tuerie. Bon, on arrive à la fin de notre interview. Je pense qu'on va l'accueillir à nouveau pour une prochaine fois. Nous allons passer tout de suite à la partie de l'émission que tu aimes particulièrement. Oui, toi qui me regardes, je sais que tu aimes cette partie-là. Souvent, lorsque tu arrives à ce moment de l'émission, tu sais que tu vas rire, tu sais que tu vas te détendre, mais on y est, c'est la ref. De retour sur Evangile Hit Music pour la partie qui t'enjaille, qui te fait kiffer, je voulais dire. Mais on peut le dire, on est sur Evangile Hit Music, tout est permis. Et je suis avec mes deux acolytes qui m'ont rejoint. On va inverser pour une fois. On va commencer par le yaya quand même de tout le monde. Et quand vous voyez sa couleur de cheveux, vous comprenez pourquoi c'est lui le yaya, quoi. Il y a Glory, bienvenue sur ce plateau. Dès le début. merci. Normal. Et puis, on a Melo Juice, man. Ah, lui, toutes les mélodies qu'il entend, il les reproduit. C'est pour ça qu'on appelle Melo Juice. Oh, I'm good, man. Wagwan. Yes. I'm good. Tout le temps, c'est même anglais. Bon, on va trouver aussi un truc tous les deux en lingala, tu vois. Tu parles lingala. Je parle pas vraiment, tu vois, mais on va trouver un truc. Nengenini, les grands. Ton accent, il est reprend bleu, blanc, rouge. Le mien, il est pire. Donc, du coup, je parle aussi. En tout cas, on est en compagnie de notre invité, Be Right. Yes. J'avais une question juste avant qu'on puisse passer au jeu et tout, à l'amusement. Je voulais savoir, parce que cette question, souvent, je l'entends. Est-ce que tu te considères comme un slammer, un rappeur? Je sais ce que tu vas répondre, mais juste poser la question pour ceux qui nous regardent. Waouh, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Maintenant, le jour où je me suis posé cette question-là...
Voilà ce que je dois répondre. Quand j'entends, quand quelqu'un écoute ce que je fais, et que généralement on constate que on sent l'Esprit de Dieu qui est là, les aveugles voient, les sourds entendent la bonne nouvelle, les boiteux, ceux qui marchaient bizarrement spirituellement, sont recadrés, il y a des jeunes qui repartent à l'école, il y a des jeunes qui retournent dans leur foyer qui avaient fugué, etc. J'ai juste envie de dire, je ne sais pas trop ce que je fais, si c'est durable, du slam ou pas, mais heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Amen. C'est un adorateur. Parce que c'est compliqué. Parce mais que je pense fois... que vaut mieux qu'on s'arrête là, parce que sinon il va prêcher. Il n'aura plus le temps de faire la Bible. En parlant de Bible. En parlant de Bible. Très belle intervention. J'espère que vous avez révisé vos versets. Monsieur, on n'est pas au bac. Je t'ai déjà dit. J'espère. Alors là, on va passer à une ref biblique, donc comme vous savez, ref référence. Et on va vous passer quelques extraits. Donc du coup, vous allez écouter et me dire du coup les versets sur lesquels les artistes se sont basés pour écrire ces textes ou les versets qu'ils sont en train de citer. Il y en a certains, c'est l'inspiration, d'autres, c'est vraiment, ils récitent le verset. Donc du coup... Chaque extrait va valoir 2 points, ok? Donc, le premier, ça va être facile, c'est un cadeau. Mais dites-vous que... Il y a combien d'extraits? Il y en a 5. 5, quoi. 5, comme ça, il y a 10 points et voilà, il n'y a pas de... non. Ok, donc 2 versets. Pas tout le temps, mais je vous dirai lorsqu'il y en aura 2. Là, pour le premier extrait, il y en aura 2. D'accord. Ok? Donc, voilà. On peut y aller pour le premier extrait. Je lisais pas ma Bible, en fait. Je prends la première réponse. Okay. Bah, ça, c'est dans Matthieu 6. Matthieu 6, quand tu dis... Ok, on peut arrêter. Matthieu 6. Dans Matthieu 6, en fait, quand il va... ses disciples vont lui dire « Apprends-nous à prier ». Okay. Après, Jésus, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas, va commencer à leur apprendre à prier en disant « Lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. » Je suis dans son équipe. Ah non, c'est individuel. Là, c'est individuel. Ok, 1 point pour Tijan King. Sauf que, en vrai, il y a 2 passages dans lesquels, dans lesquels on récite la prière de notre Père. L'autre passage, si quelqu'un l'a, ça vaut 1 point. Mais c'est bien, bien répondu. Moi, je pensais qu'il y avait 2 versets dans le truc. Mais ça doit être chez Dr. Non, Luc, c'est 2 passages, exactement. Ouais, c'est chez Dr. Luc. Chez Luc. Alors, je sais pas, après les chapitres, je sais plus. Est-ce que c'est le... Au moins, tu as la référence du chapitre. Enfin, du chapitre. Moi, je l'ai toujours retenu par cœur dans Matthieu, mais pas Luc. Ok. Alors, là, ça commence avec 1 point chez Monsieur le King, 1 point chez Monsieur le Wright. Et... vu que tu n'as pas le point. C'est lui qui pose les questions. Vu que tu parles, mais tu n'as pas de nom anglophone, bah pas de point pour toi. Et t'as pas répondu. Non, continue. Okay. Donc sinon c'était Luc 11, verset 2 au verset 4. Okay. On peut passer au suivant. Je sais pas si ça c'est un verset. Je raconterai le monde de mon sauveur. Éternel, mon père, je le manquerai. C'est un psaume. De David. C'est un psaume. Et de Robert. Là, on a dit tous les trois en plus en même moment. C'est un psaume. Ok, on peut arrêter. D'accord, donc. C'est un psaume, ok. C'est trop facile de dire psaume. Ouais, mais lui, il a pas dit la référence. C'est le psaume. Oui, mais tout à l'heure, c'était pas pareil. Est-ce que c'est pas le 119? Pas très loin. Non, pas très loin. Mais c'est... je te donnerai quand même le point. C'est un truc en 9. En effet. Non, c'est pas le 119. C'est le psaume. Il est à un chapitre près. C'est le psaume 118. Le verset, du coup, non. Ok, quel verset? C'est le verset, à partir du verset 2. C'est bien testé, hein, mais... J'ai dit, il est prêt, il a réfléchi, il s'est dit... Verset 2. Ça passe, tu vois.
Bon, je mettrai un point à chacun pour le psaume. Il y avait un deuxième. Est-ce que vous, là, vous avez pris le temps de l'écouter ou pas? C'était celui où elle... C'est quoi, je ne mourrais pas, je vivrais, c'est ça? Je ne mourrais pas, je vivrais. Ça, c'était le premier. Ça, c'est le psaume? Oui. Et il y avait un deuxième également. Je crois qu'il n'y a pas eu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le psaume aussi. C'est le psaume 23. Connu en plus. Ouais, c'est le psaume 23, c'est ça. Un point pour Tejan King. Pour nous tous, hein. Bah non, c'est trop facile de dire psaume. Mais moi, il a dit psaume 23. Quand il a dit 23, moi j'ai mais dit c'est ça. Moi j'ai dit psaume encore. Moi j'ai dit c'est un psaume encore. Moi j'ai dit c'est un psaume encore. Il a dit psaume 23 et lui il a dit c'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est, ils ont. Si c'est comme ça, je mets alors deux points pour Right B. Pourquoi je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Parce que. Il a récité le verset. Ça veut dire que s'il n'avait pas récité, il a juste vous vous en souviendrez même pas. Il a juste ça. Mais vous avez oublié. Oh, non, je suis d'accord. Okay. Chaque fois, il favorise. C'est habités. Trop ce qu'il a fait, lui. Pardon. C'est trop. Ah non. Ok, suivant. Ah, ça, c'est un psaume, ça. Je lève les yeux vers les montagnes, donc ne viens pas le second. Psaume 100, je pense. Ma mémoire est bonne. Je sais plus si c'est le psaume 50 ou le psaume 100. Ah ouais. C'est un psaume, frère. Mais tu vois que je réagis pas. C'est un psaume, frère. C'est un psaume, d'accord. Mais lequel? Psaume 100, je t'ai dit. 120. Quel désespoir. Mais hey, je sais pas pourquoi il fait toujours ça. Je lui ai dit non, que les psaumes, il regarde pas. Les psaumes c'est pas mon fort, mais il va toujours dans les psaumes. Okay, je te mets le mais point. Mais pourquoi il va aller dans, non, dans attends, tes forts? Je te mets le point. C'était le psaume 121. Mais pas le psaume 100, ni le psaume 50, ni le psaume 120. Non, il a dit 120. Il était presque. Mais... Non, parce qu'en fait, dans ma tête, j'hésitais entre les trois, mais je me suis dit... En fait, j'hésitais entre le 50 et le 100. Après, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il doit être dans le 120. Mais 121, j'aurais pas trouvé, c'est sûr. Amen. Waouh. Tu m'as vraiment édifié, là. Donc, un point, parce que tu m'as pas donné correctement la ref. Donc, du coup, voilà. Ok, on peut passer au suivant. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière en qui n'a ni ombre de changement ni variation. C'est dans le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, c'est il y a une technique, dès que tu entends Père, c'est Nouveau Testament. C'est la révélation que Jésus a donnée dans celui-ci. C'est dans Corinthiens, je pense. Dans Corinthiens. J'allais prendre deux points là, mais là j'en mets qu'un seul. Parce que c'est quoi ça, la ref? C'est pas Corinthiens? Non. Tout bien parfait, toute grâce excellente, bien perdu. Et là, j'ai le choix entre les trois. En tout cas, le verset, soit Éphésiens, soit Corinthiens, soit Colossiens. C'est un des trois. C'est trois au cas, c'est ça. Hein. Ah, ouais. Ah non, pas du tout. C'est aucun des trois. Ah non. Je vais tresser le verset. Dans mes notes. Non, non, attends. Si c'est aucun des trois, ça veut dire que c'est pas Paul. Ça veut dire que c'est le reste. Non, si c'est aucun des trois, ça veut dire. Objectif comme ça. Non, mais attends. Si c'est pas Paul, ça veut dire que c'est Pierre. Paste, ça va aller. Donc, Jacques 1, au verset 17. Au verset 17, dit, d'accord, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. J'ai bien envie de te mettre un demi. Mais j'ai récité le verset en entier. J'ai récité le verset en entier. Donne un demi-point parce que t'as donné un point à Blue White tout à l'heure. Parce qu'il a récité le verset. Là, tu devrais me donner deux points. Même un point. Mais lui, il est pasteur. Comme je. Ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement. C'est vraiment ce que j'allais dire. Je traite. Moi, je suis invité. Je veux pas jeter comme ça. C'est pas possible. Bon, je fais quoi? Je donne le demi-point. Un point et demi quand même, frère. Ah, ça me fait mal. Ah, tout à l'heure, tu lui as dit. Lui, hein, il sait à qui. C'est quoi il veut, lui, de toute façon? Oh, calme, c'est bon, je suis généreux aujourd'hui. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est le dernier, ça. Exactement. Donc, deux points sur celui-ci. S'il vous plaît, réfléchissez avant de. Et je te jure, je comprends.
Ah, qui nous séparera de l'amour de... Ça, je suis certain, c'est dans Romains 8, c'est le verset 39. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est Romains 8, le verset 38 ou 39, entre les deux. 38. Deux points pour monsieur. Tu fais des trucs. Quoi, je sais pas qui a mixé la musique. Oh. Eh, pas lundi. J'avoue que par contre, c'était pas très, très clair. On entend quand même... Ni les anges, ni les Oui, j'ai juste entendu ça, mais tout est mélangé, frère. Oui, mais c'est fait exprès. Tu es un tricheur. Je veux un truc facile. Comment non, ça, je veux tricheur. Pas un truc facile. Quel verset tu m'as cité Mais on notera quand même qu'il n'a répondu à aucune question. Ah non, il a répondu quand même somme. J'ai répondu. Je lis quand même le verset. Ok. Ouais. Je lis quand même le verset qui dit, donc du coup, Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer plutôt de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre... Pour un point, notre... Elle est pas mal cette technique. Genre, le temps me fait chier. Waouh, on t'a été oublié par la gloire de Dieu. C'est pas ça, depuis j'attendais qu'il finisse. Mais frère, là, c'est qui vient de faire? Je connais même pas. C'est-à-dire, il a dribblé le gardien et il t'a fait la passe, frère. Non, je connais pas. Notre, tu veux le point ou pas? Notre sandwich. Je répète la même chose. T'as pas le point, ça y est, notre Seigneur. C'est pas possible. Ok, bon. Bien joué quand même, messieurs. Merci à toi. Le gagnant, bien évidemment, le King. Encore heureux qu'il soit gagnant, frère. Comment ça, attendez, on va quand même comptabiliser ses points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faut diviser par deux. On divise par deux. Mais non. Ouais. Mais si on divise par deux, t'es quand même gagnant. Ah bon? Quoique non, presque. Même si l'histoire me rejette. Mais bon, comme c'est le pasteur, c'est la couverture, donc les points d'articuler sur moi. Parce que c'était bien à l'abri en dessous de lui. C'est le berger. Mais je ne te connaissais pas comme ça. Je ne te connaissais pas. Dans les verts pâturages. C'est pas possible. Les verts pâturages, c'est les coins. Bon, écoute, on a tous gagné. Et on passe à la deuxième équipe. Sauf que moi, il n'y aura pas tout le monde qui a gagné. Voilà. Parce que tu as voulu me faire, monsieur. Juste au passage, une petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le plateau parce que je pense que vous avez remarqué que mon regard s'est dirigé à un moment donné. Ah oui. C'est Esdras qui est entré sur le plateau. Et on lui fait un big up. On espère qu'il sera sur ce plateau-là bientôt. On espère qu'il fera partie de nos invités. Ça sera un privilège de l'avoir ici. Je sais pas trop s'il aura le choix. S'il veut pas venir, sur le fait accompli, là. Ouais. S'il veut pas venir à nous, on ira à lui. Ça, c'est pas mal, ça. On déplace le décor, l'écran, on met tout dans la voiture et tout. On va à lui. On dit, frère, là, on fait l'émission tout de suite. Grâce. En tout cas, bienvenue, Esdras. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, on passe à ma rêve, du coup. À ta rêve, ouais. Du coup, pour le coup, moi, c'est une rêve qui va être beaucoup plus tranquille, mais qui va demander quand même beaucoup d'exercices. On va partir sur un freestyle de 5 mots. Enfin, je vous donne 5 mots, et à partir de ces 5 mots-là, vous devez faire un freestyle. Donc, les mots sont frites. Frère, tout à l'heure, tu nous as donné des... S'il vous plaît. Vous voulez discuter. Frites, allons-y. Georges. Frère. Casquette. Casquette. Ok. Mer, comme l'eau. Voilà. L'océan. Et chignon. Et les chignons, c'est quelqu'un qui m'a donné ce mot-là. Bon. Qui est cette personne afin que je puisse la torturer à la fin de l'émission? Tu veux la torturer? Je tairai le nom. Mm-hmm. C'est un bon petit qui m'a donné ce mot-là. Oh là là. Est-ce qu'on peut écouter la prod au moins? Savoir son nom. Est-ce qu'on peut mettre la prod, s'il vous plaît? Prod que j'affectionne particulièrement. Mettez le volume aussi. Ouh. Alors là. Voilà. Là. Quelle prod! Ok, laissez tourner la prod, on va commencer à écrire du coup. Vous commencez à connaître le concept, donc on a des mots imposés et on écrit nos textes. C'est parti tout de suite. Jésus! Voilà là, j'aime bien mes goûts! J'aime bien mes goûts! Ah, lourd. Ah, okay. Qu'est-ce que vous croisez là?
Là, vous avez déjà commencé à écrire. Ouais. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Ok, pas obligé de respecter l'ordre. Non. Ok. Ouais, tu veux. T'écris bien depuis un moment là. Mais grave, il met la pression là. Mais arrête, toi, tu dois semblant faire là. Il doit faire perdre les 5 sens. Il fait semblant. Il fait grave semblant. Tu es comédien ? Waouh. What, toi, t'es écrit de ouf là. Le récit, il a fait plein des ratures. Il a fait plein de toi, c'est trop. Mais sans qu'il essaie de chercher une top line chantée, tu vois. Il cherche une top line. Puis il aime que ça. Il aime que ça, les top lines chantées et tout. Mais ouais, là, il a écrit. Ouais, il a écrit. Moi, j'ai rien écrit de sérieux. C'est pas grave, besoin d'être sérieux. Moi, je veux juste. La première émission, j'avais dit avec Red Flow, quand on a fait ça, j'ai dit que j'avais pas fait un truc sérieux. Vous êtes moqué de moi, frère. On veut rien savoir. Ok, la régie, est-ce qu'on peut remettre la prod à zéro? Glory va poser son texte. Je commence du coup ? Ouais. Yep. Ok, alors, pour faire ce texte, il faut que je fasse un truc. Vous moquez pas, vous allez comprendre pourquoi. Tu vas lâcher tes locks, c'est ça ? Attends. Ah. Ouais. Mais il est pas sérieux. Mais comment ça, je ne suis pas sérieux ? Hey, c'est un comédien, les gars, je vous le dis. Attendez. C'est un acquitteur. Ah ouais, le malaï. T'inquiète. Sangoku. Sangoku. Je suis plus sûr de rien là. Je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il fait là. J'ai essayé, hein. Mon chignon n'est pas propre, mais. Ah ouais. Alors, ah ouais. J'aime bien. Si son texte ressemble à son chignon, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Il ressemble à Coolio. On prend, c'est bon. Vous pouvez balancer après tout. Ok, vous on y va. Ok. Bah, Banks. Est-ce que ça ressemble vraiment à ça? Moyen. Ok. Yeah. Les mots imposés du coup, frites, Georges, casquette, mère, chignon, voilà, on est ensemble. Ok. Faut que je quitte Villeneuve Saint-Georges pour aller me poser au bord de la mer. Bang bang. Depuis que j'ai des logs, j'ai jeté ma casquette pour faire des chignons comme ma mère. Bang bang. Donne-moi une frite et je vais flotter sur les eaux. Bang bang. Faut que je limite, gars, je vais marcher sur l'eau. Bang bang. Ça flingue, j'aime bien. T'as compris pourquoi il a lâché ses logs? Ah oui. Pardon. Comment? Je pense que j'aurais dû faire un truc comique aussi au final. Non, franchement, ça va. T'es dans le sérieux. Va là-bas. Ok, on peut remettre à zéro pour mettre à zéro, s'il vous plaît. Waouh. Ça venait du cœur, ça. Il voit la victoire, allez là-bas. Je fly. Ah oui, une bonne intro, hein. Ah ouais. C'est le refrain, en fait. Yes. J'ai remplacé ma casquette par la couronne de gloire. Dire qu'avant Christ, on se foutait de ma poire. Présent depuis l'époque des chichas et des chignons. Créé à l'image de Dieu, je ne peux qu'être mignon. De Chris, mais aussi de George Floyd. Je lutte pour la justice sur ce beat qui cogne. Plongé dans la... Il a écrit ça Je vous avais dit que c'est grâce à lui que j'ai su que je devais rapper. Le texte était un brouillon. Arrête. Il a bugué. J'ai remplacé ma casquette par la couronne de gloire. Dire qu'avant Christ, on se foutait de ma poire. Présent depuis l'époque des chichas et des chignons. Créé à l'image de Dieu, je ne peux qu'être que mignon. Mes textes parlent de Christ, mais aussi de George Floyd. Je lutte pour la justice sur ce gros beat qui colle. Plongé dans sa présence, comme dans la mer. La parole de Dieu dans ma bouche, je ne peux... Attends, j'ai une anecdote là-dessus. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai une anecdote là-dessus parce que
Il me semble qu'en 2015, 2016, je sais On ne veut plus. Pas entendre ton attends, anecdote, frère. Non, si, 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 parce que tu sais de quoi je vais parler. En 2016, Monsieur Le King avait été invité du coup à Reims pour un événement. Il est arrivé, il a fait le show, tout ça. À un moment donné, il fait son texte et tout ça. Il se trompe de parole. En fait, il se rappelle plus de son texte. Et il veut nous la faire comme ça en mode, tu vois, et genre, il improvise après ça. Il dit, non, vous êtes pas assez chaud. Quand vous lui vesquez les gens. Hey, mais hey, tu sais que ça m'arrive souvent, ça. Il y a des moments où je fais le texte, je mélange les textes, après je dis non, faut que je trouve un truc pour m'en sortir. Parce qu'à un moment donné, tu sais qu'il reste encore plusieurs mesures. Donc tu dis, ah, tu dis non, vous n'êtes pas assez chaud. Est-ce que vous pouvez faire moi, ça, Dieu, ça, Dieu, tu fans Dieu. Pour moi, ça passe. Tu fans Dieu en faisant ça. Ça, les gens qui sont devant. Pour moi, ça passe chaud. Pas. C'est pas la première fois que tu me l'as fait. Est-ce que je peux juste terminer mon texte à capella? Vas-y. En fait, c'était non, parole de Dieu dans ma bouche. C'était plongé dans sa présence comme dans la mer. La parole dans ma bouche, je n'ai plus de goût amer. Je mangeais versé jour et nuit comme des frites. La parole dans mon cœur, elle a bien été écrite. Ah ouais, j'aime bien les frites. Ton texte, il est lourd, hein. J'aime bien les frites. Moi, j'aime bien les frites. Amen, waouh. C'est vraiment dommage qu'il ne te fasse pas gagner. T'aimes bien les frites. Ton texte, il est vraiment lourd. Mais c'est dommage qu'il ne te fasse pas gagner. Tu m'as vraiment édifié. Allez, 5 minutes. On va écouter notre invité. Oh, t'as l'air déçu. Ouais, mais je suis déçu de ne pas avoir réussi mon texte. Un texte comme ça, tu peux le mettre dans l'album. Ah, il y a un album qui... Laisse, on va écouter l'invité. Parce que lui, il donne des on songeait à te virer d'ici. Voilà. Est-ce qu'on peut remettre la prod depuis le début, s'il vous plaît? On va écouter notre invité, Be Right. La Banks. Là. Faut que tu bégayes, hein. Yes. He flies on me. Ah ouais, déjà. Excusez-le. Pour nous montrer que. Excusez-le. J'aime pas quand est-ce qu'il parle la prod. Là, le God prochain tour, c'est la guerre. Ok, je sens que je vais me tromper, mais c'est pas grave. Yeah, ce matin, je prends l'air. Sur la feuille blanche, je jette l'encre et pas dans la mer. Si tu mens dans la prière auprès de Jésus-Christ, utilise l'huile d'onction et pas l'huile des frites, mon frère, casquette à l'endroit. Je marche avec les saints, j'ai préféré le caviar à la... Il a dit victoire. Est-ce qu'on peut relancer la prod, s'il vous plaît? Remettez, s'il vous plaît. Ok. J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci. J'espère que personne ne va me perturber cette fois-ci. Faut le dire. C'est la première fois. Oh là, je dois pas me tromper. Babax. Yeah. Oh, ce matin, je vais prendre l'air. Sur la feuille blanche, je jette l'encre et pas dans la mer. Si tu montes dans la prière près de Jésus-Christ, utilise l'huile d'onction et pas l'huile des frites, mon frère, casquette à l'endroit. Je marche avec les saints, j'ai préféré la manne que le caviar de George V. Écoute, si tu respectes les femmes, tu tiens le bon filon, car la femme a le droit de prêcher même avec un chignon. Lourd. J'ai eu chaud à un moment donné. Hein. C'est vrai que c'était. Les textes sont lourds, hein, franchement. Les textes sont vraiment lourds. Mais j'ai mal. On sait déjà ce que tu vas dire, frère. Mais attendez, j'ai mal. Tu sais pourquoi j'ai mal? Parce que tu peux être là, t'as fait un vrai taf et tout. Tu écris un vrai son. Il y a quelqu'un qui arrive avec un son, il fait OK, ça reste dans la tête des gens. Il a réussi à le faire une fois. Et c'est bon, il a gagné. Pourquoi t'es jaloux déjà? Comment ça je suis jaloux? J'ai même pas pris ma décision, il est déjà jaloux. Je suis jaloux. Attends, ils ont recommencé. On va le laisser. On va essayer. Ils ont recommencé. Moi je suis départagé. Comment ça? C'est Melody Juice, c'est ça? C'est Melody Juice. Je suis partagé. Je suis vraiment partagé parce que. Melody Juice. On voit le Juice dans le. Moi je lui aurais donné la victoire parce qu'il est allé jusqu'au bout de son texte. Il a repris. Il n'a pas repris autant que moi et il est allé jusqu'au bout. Je voulais lui donner la victoire, tu sais pourquoi? Toi t'es allé jusqu'au bout. Ouais, lui, il allait jusqu'au bout. Il y avait du flow. Oui, il y avait du flow. Ouais, ça reste dans la tête. T'es trop dans la facilité. Quoi? Arrête. Comment ça, dans la facilité? Son texte, il est bien plus réfléchi, gros. Justement, c'est pour ça que je dis, c'est triste. Lorsque tu es un artiste qui est poétique... Attends, arrête de rigoler. Lorsqu'il y a un artiste qui est poétique,
il fait les meilleurs textes au monde. Écoute, frère, écoute, frère. Attends, mais attendez, faut qu'on passe à la dernière partie, parce que là, ce que tu racontes, ça n'a pas de sens. Un artiste est poétique. Et après, il y a un artiste qui vient et il met juste un truc, tu vois. C'est quoi? Un truc facile. Comme t'es mon frère, je vais donner la victoire à Execo. C'est bon? Ah, Execo, ça fait deux fois. Bon. Allez, Longo, alors! Il a gagné! Qui nous regardait? Tu as gagné, tu as gagné. Bonjour, tu sais quoi? Donne-lui la victoire parce que lui, il a des flingues, il a fait des bang-bang. Moi, je gagne d'avoir des amis ici. Voilà, c'est bon, gagne alors. Sur cette belle note de partage, nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette émission et la dernière partie. Nous allons déguster la prestation de notre invité. C'est tout de suite. Tout de suite. Bang-bang. Bang-bang. Bang des frites. Hi family, it's your boy Wright, exclusivement sur Evangile Hit Music. Let's go, I'ma talk to you. Yeah, bonsoir à tous, je m'appelle Yann et voici mon histoire. Je suis né à l'aube d'un certain 13 octobre en Côte d'Ivoire. Asthmatique dès le départ, la moindre crise me tue. Mais grâce à Dieu et à la foi de ma mère, j'ai survécu. J'ai quitté ma Côte d'Ivoire au terme de mon enfance. J'ai atterri le 10 juin 2001 en France. L'objectif était d'être basketteur professionnel, mais je ne savais pas que sur ma vie l'appel de Dieu sommeillait. Les réalités de la France m'ont vite rattrapé. Le manque d'argent et de nourriture m'ont souvent matraqué. Cinquième étage, j'ai failli passer de l'autre côté des mortels. Mais heureusement que mon grand frère Guillaume était mon modèle. Alors en voulant l'imiter, un soir j'ai pris son synthé. J'ai commencé à m'exprimer en faisant du rap en indé. Et là j'ai découvert la grâce que j'avais pour l'écriture, sans me douter que grâce à cela Dieu bâtirait mon futur. Il a fait le plus dur. Oui mon frère, ma sœur, j'étais loin de la vérité. Plusieurs fois je l'ai renié. Pourtant il m'a choisi. Il a fait de moi un héritier. Il est venu me délivrer. Malgré mes fautes et mon pédigré, Dieu, il m'a choisi. Écoute, à chaque fois que j'avais le mic, ils me disaient tous unique. Pour eux c'était sûr que j'allais percer en faisant de la musique. À chaque texte ou freestyle, ils étaient tous épatés. Mais c'était Dieu qui faisait en sorte qu'on voit sa gloire éclater. Et puis il y a eu cette séparation qui m'a fait craquer. J'ai été fidèle et sincère et pourtant elle m'a plaqué. Le jeune Yann a craqué. Ah, j'ai été touché. Dès lors j'ai renoncé au love, j'ai commencé à coucher. Le péché a rempli mon cœur et l'a mortifié. Je passais des plans à l'hôtel à ceux des prostituées. J'avais l'air vif à l'extérieur, loin de moi le mal-être. Mais au-dedans j'étais si vide, mais il fallait paraître. Frère, au fond de moi j'étais si malheureux. Je voyais que me conformer au monde ne me rendait pas heureux. J'avais cette apparence cynique avec un cœur de pieux. Un peu comme si ce vide en moi avait la forme de Dieu. Aimer une personne comme moi aurait pu traumatiser. Et pourtant depuis le ciel Dieu m'avait localisé. Devant le péché, j'avais jamais su changer d'avis. Mais ce jour-là, un simple « je t'aime » a pu changer ma vie. Et pourtant, j'étais loin de le mériter. Loin de la vérité. Plusieurs fois, je l'ai renié. Pourtant, il m'a choisi. Il a fait de moi un héritier. Frère, il est venu me délivrer. Malgré mes fautes et mon pédigré. Dieu le Fils m'a choisi. Tu sais, j'ai commis des erreurs. Et pourtant, pour moi, le Père a donné le meilleur. Malgré nos péchés immondes et le poids de nos vices, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et j'ai pas honte de qui j'étais à cause de qui je suis. Car Jésus-Christ m'a rendu libre depuis que c'est lui que je suis. Et si je vis, c'est pour sa gloire, car sans lui, c'est zéro. Et si je meurs, c'est pour la foi et je partirai en héros. Peu importe ton passé, tout ce que t'as cassé ou casqué, son amour pour toi est prêt à t'enlacer. À Golgotha, oui Dieu le Fils a fait le plus dur. Quand l'ennemi prône ton passé, rappelle-lui son futur. Te laisse pas faire, mon frère, ma sœur, détrompe-toi. Oui, Dieu n'est pas insensé, Dieu ne se trompe pas. Mais qu'est-ce tu crois? On ne donne que ce que l'on reçoit. Et si Dieu a voulu de toi, c'est que pour sa gloire tu es le bon choix. Oui frère, pour sa gloire tu es le bon choix. Oui ma sœur, pour sa gloire tu es le bon choix. Même si chaque jour t'as l'impression que tu le déçois, c'est cloué à la croix, les bras ouverts qu'il te reçoit. Oui Père, pour sa gloire tu es le bon choix. Chère Mère, pour sa gloire tu es le bon choix. Même si chaque jour t'as l'impression que tu le déçois, pour lui tu es le bon choix. Oui tu es le bon choix.
Même si t'étais loin de le mériter, tu étais loin de la vérité. Plusieurs fois tu l'as renié, pourtant il t'a choisi. Il a fait de toi un héritier, il est venu te délivrer. Malgré tes fautes et ton pédigré, Dieu le Fils t'a choisi. With your boy Brave, on est ensemble. Yeah, Mr. Wright is in the building. À Evangel Hit Music, c'est comme ça que ça se passe, écoute ça. Frère, autour les gens ne me comprennent pas. Parfois, parce que je m'oppose. Oui, parce que je m'oppose quand Christ ne règne pas. Mais écoute ceci, mon frère, ma sœur. Yeah, Père, j'ai soif de ta capacité. Même en danger de mort, je vais être capable de te citer. On m'a dit fais du buzz pour faire avancer l'œuvre. Non, mais j'ai choisi d'aimer Dieu d'abord avant son œuvre. Autour les gens ne me comprennent pas, parfois ne m'aiment pas, car je refuse de me soumettre là où Christ ne règne pas. Mais bien avant tout cela, bien souvent j'étais orgueilleux, frère en Christ, mais j'étais hors de Dieu. Ah, j'ai parfois été égoïste, même si ce n'est pas l'or que je veux. Je n'étais qu'un gosse et pourtant j'ai joué à l'homme de Dieu. J'ai parfois déshonoré l'ordre de Dieu et j'avais plus la paix du cœur car je ne reposais plus à l'ombre de Dieu. J'étais solo, j'étais errant, mais freiné dans cet élan par le Saint-Esprit qui me rappelait ma nature de tueur de géants. Je suis tombé dans la bassesse, mais avant que Dieu me rachète, je souriais en public, mais je pleurais dans ma cachette. La vraie vie n'est pas extérieure, elle commence dedans. Si quelque chose oppresse ton cœur, ne va pas devant. Bats d'abord en retraite, traite le mal-être, car si Christ ne règne pas à l'intérieur, c'est dangereux de paraître. Frère, faut faire le taf, c'est bien plus que de balancer des punchlines dans les baffes. Il s'agit de prêcher Christ avec un cœur fervent, en étant conscient que celui qui prêche sera jugé plus sévèrement. Bro, Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Même si les gens me disent que j'ai tort, croire que son royaume arrive, je suis méprisé, pourtant je suis devenu plus fort. Depuis que j'ai confiance, je suis devenu plus fort. Je suis devenu comme un dinosaure. Depuis c'est l'ennemi qui panique. Yeah, yeah. Mon frère, ma sœur, écoute-moi. Peut-être que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu tombes dans le même péché. Et t'es à terre et tu n'arrives pas à te relever. Mais je viens te dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche maintenant. Tu es capable de le servir. Être prêt, ce n'est pas être capable de faire non. Mais être prêt, c'est être capable de compter sur son savoir-faire à lui, Dieu. Et le savoir-faire de Dieu, c'est Christ en toi, l'espérance de sa gloire. Alors lève le poing en l'air et chante avec moi. Nihil est mort. Come on! Clap là où tu es, clap là où tu es. Ni les chèques ne m'empêcheront d'y arriver, parce que le Très-Haut aura le dernier mot. Oh, je le crois par la vérité de la parole. Par sa grâce, un jour j'y arriverai. Maintenant, lève-toi et dis-le comme si c'était toi. Vas-y, répète avec moi. Ni les mots, ni même mes fautes, oh, ni mes échecs ne m'empêcheront. Aucune de mes luttes, aucune de mes chutes, aucune de tes luttes, tes chutes, tes failles ne sera aussi profonde que l'amour que Dieu a manifesté pour toi il y a 2000 ans. Il prouve son amour en ce que lorsque tu étais mauvais, il donne son fils pour toi. Que fera-t-il maintenant que tu es à lui? Alors ne laisse jamais personne te faire douter. Ne crois pas que Dieu a fini avec toi. Il n'a pas fini avant même qu'il ne commence quoi que ce soit. Avant le commencement, Dieu, il était dit que tu avais été élu en lui avant la fondation du monde. Il est pour toi, il est en toi et tu vas y arriver par lui. Alléluia. Faisons un peu de flow maintenant. Ensemble, on y va. Tu croyais que c'était fini? Tu croyais que c'était fini? Ok, vas-y. Quand je dis allez, vous dites louia, allez. Ok, moi c'est B-Right, toujours dans les big bye. Dès que je prends le chromie, à l'ennemi on dit goodbye. T'es ma, je pars en freestyle, glorieux sera le destin. Depuis que Dieu le Fils m'a gardé une place à son festin. Comment te le dire, son nom fait la diff. Le microphone a pris feu, dans le nom de J-E-S-U-S, dis-le. Quand ça ne va pas, crie-le, quand l'ennemi te crie bleu. Fais de lui ta cible, n'envoie pas de SOS, pas de SMS, pas d'appel masqué. Dieu n'a pas de... Dieu ne fait pas de face B.
prolifique au chromier, c'est logique gros. Depuis que David fait des classiques avec Logic Pro. Ok, je suis pas le plus lourd et je suis pas le plus beau, mais je fais du lourd depuis que j'ai fait du son pour Live Studio. Tu veux un bête de son qui claque, qui vient du ciel et puis qui dégomme? Reste connecté sur evangilehitmusic.com. Je sais pas s'il y a .com, mais tu as compris, reste connected. On est ensemble, on est une famille.